feel I don't belong. Tell my thoughts to move along. Push myself to be the best. Die with no regrets. Live with every breath. See my message start to spread. And I had so many dreams. Then you hit your teens. Life ain't really what it seems. Try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Bonjour à tous, voilà, dernièrement vous avez vu, j'ai fait une vidéo comment obtenir le mayaka comme on dit chez nous, ou le manioc rouille. Donc là c'est la suite, vous allez regarder, j'ai trempé mes tubercules pendant une semaine, donc là je vais les sortir, vous allez voir le rendu. Voilà, c'est parti. N'oubliez pas que dans la vidéo précédente, il y avait les tubercules pardon, de manioc que j'avais mis, j'ai épluché, j'ai mis dans de l'eau chaude, et j'ai refermé mon couvercle. Donc là, je suis venue, j'ai refermé mon couvercle pendant une semaine, et là, je viens pour vous montrer le rendu. Alors, c'était tout dur, vous avez vu, et là, je veux vous montrer. Ça se fait à la main comme ça, hein. On ne met pas les gants, ça se fait à la main. Vous voyez? Donc, ça c'est mon rendu. Ça c'est mon rendu. Voilà. Vous voyez? Pour faire le manioc, on a besoin de ces tubercules-là. Donc, au départ, c'était dur. Et là, voilà, vous voyez, même quand je fais ça, voilà, ça a bien fermenté et nous avons le bon rendu. Voilà, nous avons le manioc, les tubercules de manioc au début, on les a épluchés. On les a trempés dans l'eau pendant une semaine et aujourd'hui, je viens vous montrer le rendu. Donc, comment obtenir le manioc rouille, autrement appelé chez nous les mayaka. Mayaka. Donc, avec ces tubercules, vous pouvez préparer le manioc, la chikwang. Vous pouvez préparer la bouillie de manioc. Vous pouvez préparer les mayaka, comme on appelle chez nous. Vous voyez? Mon manioc a fermenté et j'ai ce rendu là. Voilà le résultat. Le mayak mankat. C'est bien ça. Ça sent fort les amis. Hein? Mais on n'a pas le choix, on aime le manioc. Voilà. La chikwang, c'est comme ça. Il faut procéder comme ça pour obtenir du bon manioc. Donc, Maman Chani vous ramène des astuces qu'il faut. Tout ça, c'est pour vous aider à manger bio et à manger, à consommer ce que vous-même vous faites. Ça m'étonne d'entendre les gens dire, non, mais j'arrive pas quand je mets mes tubercules dans l'eau, ça ne fermente pas, ça devient de plus en plus dur. Non, ma chérie, tu prends juste les tubercules de manioc, tu les épluches, tu les trempes dans l'eau, tu mets de l'eau chaude, tu refermes le couvercle comme j'ai fait. Tu peux repartir sur la vidéo précédente comme ça.
tu verras comment j'ai fait. Et c'est très très facile, les amis. Très très facile. Voilà. Donc, là, ça sent fort. Et voilà. J'ai fini. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai mon manioc rouille. Et je vais vous montrer comment ça a bien fermenté. Vous voyez, facilement, on peut l'écraser. Voilà. Il n'y a pas de miracle. Faites comme je vous ai montré. Il n'y a pas vraiment de miracle. Vous voyez, ça a bien fermenté. Mon manioc est là. Là, avec ça, vous pouvez faire le manioc. Préparer la chikwang avec ça. Vous pouvez, avec ça, faire la bouillie, préparer la bouillie de manioc qu'on appelle chez nous mboata. Et on mange ça avec arachide. Vous pouvez faire les mayakmakatu comme on fait chez nous. Les mayakmakatu, chez nous, on le fait avec un couteau comme ça. Je vais vous montrer juste un petit modèle. Voilà. Juste un petit modèle. Vous faites ça. Chez nous, c'est aussi comme la chikwang, mais sauf que ça, c'est le mayakmakatu. On appelle ça mayakmakatu. Voilà. Donc, on coupe comme ça. Et on prépare, on met dans la marmite. Voilà, c'est des petits bâtons de manioc comme ça. C'est très bon à manger avec la moimbe, le sakasaka, comme vous voulez. Alors, donc, pour terminer, les amis, j'aimerais bien vous dire, Maman Chani vous ramène toujours des astuces qu'il faut, des bons plans pour vraiment manger bio. Là, j'ai fait les tubercules de manioc, je les ai trempés une semaine dans l'eau, de l'eau chaude, et j'ai refermé le couvercle. Et surtout, pas venir toucher chaque matin. Non, on laisse fermer comme ça. On laisse le manioc, les tubercules de manioc dans le seau avec de l'eau. On referme le couvercle. Pendant une semaine, on ne touche pas. Si vous venez toucher à chaque fois, c'est là où ça ne marchera pas. Donc, essayez la méthode que je vous ai montrée. Vous verrez que c'est très, très facile à faire et vous serez content. Voilà, j'ai mon manioc. Il n'y a pas de magie. J'ai fait ça devant vous. Regardez la vidéo précédente. Vous verrez que c'est facile. J'ai épluché mes tubercules. J'ai trempé dans l'eau pendant une semaine. Et aujourd'hui, je suis venue vous montrer ce que j'ai fait. Voilà. Pas de miracle. Tout est là devant vous. Vraiment, n'oubliez pas de partager la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de liker. N'oubliez pas d'en parler autour de vous. Parce qu'il y a des gens qui ont du mal à réaliser cette recette ou à réaliser ce rendu ou à réaliser pour avoir le manioc rouille. Je vous aime, je vous dis à très bientôt. Bisous.